Oh, mais une minute avant que la vidéo débute. Je veux maintenant mes prochaines vidéos Brookhaven seront sur ma chaîne secondaire HAKIM Toys 2, parce que sur cette chaîne HAKIM Play, j'aimerais faire des vidéos juste que j'ai des nouveaux vidéos. Et pour les fans de Brookhaven, il y en a 4 ou il y en a plus de Brookhaven. Mais sur ma chaîne secondaire HAKIM Toys 2. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Ah, ils sont bien trop neufs dans cette ville. Je ne leur fais croire qu'ils doivent me donner de l'argent parce que je vous la donne à des fondations. Mais tout ça, c'est fou. Tout mon argent, je le coche dans ces tiroirs. Il y a plus de 100 000 € dans ces tiroirs. Plus de 100 000 €. Je suis la pire mère de cette vie de moi. Plus aujourd'hui, je vais être encore plus ici. Enfin, le grand jeu vert. Bon, cette fois-ci, je vais recevoir beaucoup d'argent. Je vais leur faire croire qu'ils doivent me donner. Je vais leur donner à des fondations contre les gens qui sont morts de la Covid. Je vais leur faire croire. Et là, le soleil. La personne la plus riche du monde aura capté mon poids. Je vais voler tout cet argent. Je vais l'emmener chez moi. Il va devenir l'homme le plus riche de Brookhaven. Moi, ils sont bien trop naïfs. Ça y est, c'est lors de ma conférence de presse. Ça y est, c'est enfin la conférence de presse. Allez, alors on va la faire. Go. Je reçois ton avis de Brookhaven. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle conférence de presse. Aujourd'hui, je dois vous annoncer une triste nouvelle. Il y a beaucoup de morts ces dernières années pendant la Covid, ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de morts. Alors, pour l'évangile et pour battre le Covid, j'ai créé une fondation. Ok, pour les gens qui sont morts de la Covid, ça coûte 500 000 €. C'est donc ça, merci à tous ceux qui ont fait un don. Et c'est après de cette conférence de presse. On se retrouve après les annonces. Moi, je vais être l'homme le plus riche du monde. Oh my god, j'ai trop hâte d'être l'homme le plus riche du monde. Ouais, je vais devenir le plus riche. Oh, je me suis endormi. Non, mais comment c'est possible? Bon, je vais aller voir comment avance mon don. J'ai fait, je suis sûr qu'il y a, je suis sûr que derrière, ça devant la porte, j'ai beaucoup d'argent. Oh, c'est quoi tout cet argent? Oh, je veux être l'homme le plus riche, je vais quitter mon poste, je veux être l'homme le plus riche. Allez. Mais avant, je vous le disais, ma dernière conférence de presse. Et je sais ce que je vais leur faire. Bonjour, chers habitants. On a recueilli plus de 110 000 $. Euros, je veux dire. Et maintenant, vous êtes fait avoir. J'ai toutes ces organisations, ces fondations, ces dons que vous avez fait, c'était tout mon arnaque. Je suis l'homme le plus riche maintenant. Je vous ai arnaqué. En fait, il n'y a même pas de dons pour la Covid. Moi, je vais juste garder cet argent.
l'argent pour moi et je vais m'enfuir de cette ville et devenir l'homme le plus riche du monde. Non, mais vous êtes trop débiles à ce point-là, vous allez savoir, vous êtes trop débiles quoi. Oh my god. Je suis l'homme le plus riche du monde. Je suis l'homme le plus riche du monde. Et je vais devenir. Je vais devenir riche. Et je serai connu dans le monde. On ne me reconnaîtra plus. Allez, sors tout l'argent ici. Vite, vite. Allez, ça aussi. Allez, je ferme ça. Je veux pas. Je veux que zéro bien sorte de là. Même pas un seul de 5. Allez. Oh, c'est lourd. Oh, c'est vraiment lourd ça. Allez, 8. Donc ils ont été vraiment naïfs de se faire voir à ce point là. Allez, maintenant je vais m'enfuir. Allez, go.